Hello, I'd like to welcome everyone. It is my pleasure to welcome you and to present to you Felipe Ribon and Ryoko Sekiguchi. Felipe is a designer and photographer whose practice is inspired by and draws from a multiplicity of unexpected sources. Some background, he studied engineering at the École des Mines in Nantes before attending the École Nationale Supérieure de Création Industrielle in Paris, from which he graduated in 2008. After graduating from NC, he worked for Ronin and Erwin Borlek, like one of our other speakers, for whom he oversaw all exhibition design between 2008 and 2012. He has been the recipient of several awards and distinctions, such as the Prix de la Fondation Bettencourt-Schuller for his project Osmos, the Grand Prix de la Création de la Ville de Paris, and the Audi Talent Award. His work has been included in several exhibitions, such as Double Jet at Palais de Tokyo and Mutations at the Museum of Decorative Arts. He's also had several solo shows, such as Corps Subtil at the Museum of Decorative Arts and Design in Bordeaux, for which he was given free rein to install a show in the Hôtel de la Lande, an 18th century mansion house. And for this exhibition, he installed among the 18th century rooms and furnishings a series of objects designed to facilitate communication with the dead, such as redesigned Ouija boards or the permutation mirror series. And these objects demonstrated a keen research into the subject that considered the idea as more than spooky mysticism, but rather an actual problem that could be solved by a designer. It demonstrates the practical but emotionally resonant character of his work. Other shows include Objects Medium at the Cognac Jay Museum and Mind the Gap at the Institut Néerlandais in Paris. Felipe's practice is one informed by research and curiosity. While his work explores abstract ideas and goes beyond the traditional boundaries of the discipline, it is still very much within the field of design and objects. In an interview published in Diseño in 2015, he says, "For me, objects are things that really strike us because we use them. The level of intimacy objects bring is fundamental. Objects are something you need to have." And while his work deals with such immaterial and abstract ideas such as death and spiritism and hypnosis, his work reflects an interest in the practicality of design and the immediacy of objects. In that same interview, he says of the objects designed for his exhibition, Corps Subtil, "They really exist and really work. It's about scenarios, but the objects need to work and they need to work today." While his practice may investigate the ephemeral and fantastic, it is still very much grounded in the reality of today. And yet, his practice extends from design and photography to film, exhibition design, and more. Throughout all these activities, he applies the unique perspective of a designer. His use of objects as a means of conveying research is informed by the fact that for him, design is a medium, and the objects are the interface through which we interact with the world. In fact, if you want to see some of Felipe's work, and you don't want to travel very far, you can just go to the Hermès shop windows on Rue de la Confédération, on which he collaborated with one of our alumni, Emma Flieger and Alexandra. And today, joining Felipe in conversation is Ryoko Sekiguchi. She is a writer and translator, originally from Japan, but living now in Paris. Her work extends across disciplines. She works as a writer, a translator, and she does projects in gastronomy. She has a degree in history of art from the Sorbonne and a doctorate in comparative literature and cultural studies from the University of Tokyo. Among her works are Le Voile Sombre, Fade, and L'Astringent. She has also translated a great number of novels. And I'm sure you guys will talk about this a bit more, but they met at the Villa Medici while they were both there as a part of a residency. And together they produced the text Diner Fantasma, which details some of the meals and practices established while they were preparing meals for seances, an opportunity that presented itself after they met a man named KW, who was a Roman spiritist, at a party. I'm sure they'll discuss the text and the activities that inspired it in greater detail, but it touches on this idea of summoning a spirit and how a meal and food can play a role in that activity. It's fascinating for the way it takes a very reasoned and almost analytic approach to something as sensitive and emotionally charged as communicating with those who have passed. I will now cede the floor to them so that they can discuss their work and their collaboration, and please join me again in welcoming them.
Merci, Olivier. Can I have your notes for my next conference in English? They're really good. I'll keep them afterward. Merci, Olivier. Et puis merci à vous tous d'être là et à la aide de nous avoir invités. Nous allons nous raconter un peu notre histoire depuis qu'on s'est rencontrés à la Villa Médicis, mais on va le faire en chemin inverse, c'est-à-dire des projets les plus récents aux premiers projets que nous avons faits. Donc on va remonter dans le temps. C'est une collaboration. Ah, comme ça à l'envers, excusez-moi. Donc c'est une collaboration riche, diverse, qui prend plusieurs formes et nous avons essayé de vous les partager cet après-midi. Il y aura à boire et à manger, donc n'hésitez pas à rester après pour un apéro, on va vous raconter un peu plus. Et juste pour démarrer, vous allez avoir un petit amuse-bouche qui va vous accompagner, que Emma et Elodie va vous distribuer. Donc voilà, merci. Alors, nos collaborations, je pense qu'en fait chaque année depuis, donc le 2013 n'arrête pas et que qu'on a chaque année, enfin deux, trois, voire quatre projets qu'on fait ensemble. Et le plus récent, enfin ce qui est à venir, c'est pour ce décembre au Centre Pompidou à Metz. Et là, donc je ne dévoile pas encore le projet, enfin le contenu de projet, mais c'est un des exemples qu'on fait non seulement à nous deux, mais aussi en collaboration avec un autre chef, cette fois-ci le chef en fait professionnel qui a un restaurant, et nous allons travailler chacun en utilisant nos outils, c'est-à-dire comme moi avec les mots et lui avec les images, et puis le chef Yamaguchi avec la cuisine, avec les plats, sur la question de l'humidité. Pardon, voilà, donc il y aura un peu d'image, il y aura un peu de lecture, il y aura un peu à goûter. Donc cette logique de mélanger les médiums, les disciplines pour en faire une expérience, c'est peut-être un peu le fil conducteur de nos collaborations, c'est-à-dire malgré qu'on a des sujets bien sûr propres, on est toujours intéressé à comment en fait explorer les différents sens et les différentes Et notamment, on revient de Venise où on a développé un workshop pour adultes et pour enfants sur lequel on a travaillé les odeurs du passé et les odeurs du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé avec les enfants et de leur prendre conscience que l'odorat fait partie peut-être aussi d'un des sens qu'on peut travailler lorsqu'on visite une exposition ou lorsqu'on va voir un projet ou lorsqu'on design un projet. C'est pas simplement la forme, l'image, l'écoute, mais l'espace dans lequel il se trouve, c'est peut-être aussi l'odeur. Et comme on se trouvait au Palais Grazzi et qu'il y avait une expo de Damien Hertz qui travaille énormément sur l'artifice et l'artificiel, c'était une expérience assez émouvante sur laquelle les gens, à la fin, ont produit leur propre parfum, leur propre odeur. Et pour la plupart, la première fois dans laquelle ils étaient confrontés à réfléchir à ce que c'est vraiment une odeur. Et puis aussi, encore une fois, donc on avait la raison de le faire à nous deux, parce que Felipe, de son côté, donc réfléchit sur le rapport des objets et de l'odeur. Oui. Et aussi, de mon côté, sur le rapport des odeurs et la description de tout ce qui est de cinq sens. Parce que quand vous sentez quelque chose, par exemple, là, vous êtes en train de manger quelque chose qui a une saveur, qui a une odeur étrange. Et puis, vous êtes en train de vous dire, alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Donc, toujours, ça, en buvant, je ne sais pas, un thé, vous dites que ça a un goût de, je ne sais pas, de jasmin, ou bien de café, ou bien de... Et alors, dans ce cas-là, quel est le goût de café? Le goût de café a quelque chose, et toujours c'est une sorte de paraphrase, une sorte de comparaison. Et justement, c'est très compliqué, notamment quand on essaye de définir davantage ce que c'est une odeur, de ne pas tomber dans le piège de le comparer à quelque chose d'autre. Et souvent, les mots restent, enfin, malgré qu'il y en a beaucoup, restent toujours les mêmes.
Et juste comme indication, on sent 1 milliard d'odeurs, ce qui est un peu abstrait comme ça, mais par rapport à la vue, on perçoit seulement 25 millions de nuances de couleurs. C'est presque rien par rapport à la quantité d'odeurs qu'on arrive à ressentir. Et par exemple, par rapport à l'écoute, en termes de notes et de nuances, c'est que 500 000. Donc l'odorat est par-dessus tous les sens, bien au-delà, c'est le plus développé. Et on a découvert avec ce workshop cette importance, en tout cas pour nous, d'essayer d'apprendre à mettre des mots, mais aussi apprendre à réfléchir et à comprendre le monde juste par l'odeur. Donc sentez bien ce que vous êtes en train de manger. Vous aurez des questions après. Alors voilà, donc ça, l'année dernière, on est parti pendant 3 mois à Kyoto pour un projet donc, que vous voyez, donc, qui au début s'appelait L'ombre de la nourriture, et qui en queue de route a changé le titre parce qu'on est resté pendant 3 mois. Et ce projet a eu lieu déjà en fait, à la fin de notre séjour de la Villa Médicis, parce que souvent quand on monte un projet, ça a l'air d'être indépendant, mais une pensée ne se termine jamais par la finition d'un projet. Il y a toujours une sorte de continuité, et il y a une sorte de toujours des tentacules vient des mains qui vous tend vers un autre projet. Et voilà, donc ça, c'était un projet que nous avons conçu le dernier jour de notre séjour à la Villa Médicis. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vas-y. On a fait les cons, bien sûr. rapidement, mais en fait, c'est un peu les voyages, les photos de voyage, mais pour que vous voyez un peu l'univers dans lequel on est plongé, on est allé visiter, comme structure et de projet, visiter des usines et des artisans, mais pas que, aussi des marchés, des fabricants, des petits producteurs, des petits magasins, en fait, toutes sortes d'endroits au Japon qui fabriquent de la nourriture. La seule chose qui les regroupe, je pense que c'est cette idée qu'ils sont japonais et qui, en plus, travaillent la nourriture. Et non seulement qui fabrique la nourriture, parce qu'en tant que toi, en tant que designer industriel, toi, tu t'intéressais à tout ce qui est packaging, tout ce qui est les frigos, tout ce qui est autour aussi, tout ce qui enveloppe la nourriture. Exactement, nous allons vous en parler un petit peu plus en détail sur un ou deux exemples qu'on a choisis pour vous, mais là, vous voyez plutôt la variété de choses qu'on a pu réaliser en fait en 3 mois. Oui. Ça, vous voyez des images de... Et pourquoi en fait d'usine de lait, par exemple. Et le packaging, en fait, Tetra Pak, qui est spécial au Japon. Donc, c'était plusieurs niveaux de lecture, n'est-ce pas ? De l'ingrédient jusqu'à l'emballage, tout ce qui entoure, en fait, la nourriture. Et surtout, en fait, pourquoi l'ombre de la nourriture ? Parce que, vous savez, en ce moment, bien sûr, le food design est à la mode, les revues de la nourriture est à la mode, la nourriture, c'est bien, c'est convivial, c'est le partage, c'est le bonheur, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la nourriture, pendant longtemps, c'était aussi l'objet de peur. On avait peur de manger quelque chose, Enfin, devant vous, il y a une nourriture. On ne sait pas si c'est comestible ou non, si c'est encore comestible ou non. Vous n'avez jamais mangé un tel aliment. Est-ce que vous allez avoir le courage de le manger ? Et puis aussi même des plats dont on est habitué à manger. En fait, manger, c'est à la fois... C'est ce qui nous fait survivre et vivre, et aussi c'est ce qui nous fait avancer en fait de jour en jour vers la mort. Donc s'il n'y a pas d'ombre, bien sûr il n'y a pas la lumière, et donc là nous voulions regarder un peu de côté de l'ombre aussi pour voir les objets en 3 dimensions. C'est une poète, hein, c'est pour ça c'est cool. C'est elle qui écrit. Mais en tout cas, c'est vrai. Et moi, j'étais plutôt du côté étranger. On a fait un duo. Donc moi, c'était la première fois au Japon. Et on a bénéficié de ce double regard de quelqu'un qui est bien sûr japonais, qui connaît, qui travaille depuis longtemps sur la question. Et puis aussi
moi de l'extérieur, avec des questions peut-être un peu naïves ou des. Et puis aussi, et toi qui dis, ah ouais, non, mais ça a l'air dégueulasse, qui va manger ça? Et puis, voilà. Non, mais c'est bon. J'étais le cobaye, en gros. Et à la fin, bon, bah, je suis vivant, donc ça va. En fait, on a survécu. Mais là, vous voyez quelques exemples encore de produits étonnants. Malheureusement, on n'aura pas le temps de vous décrire tout, mais on a choisi trois exemples précis pour développer un peu plus et que vous voyez un peu la diversité des rencontres et de ce projet énorme qui, aujourd'hui, OFU. Alors, qu'est-ce que c'est OFU? Alors, c'est du... Nao. Enfin, c'est quelque chose qui est très à la mode, en fait, contre-mode, c'est du gluten. Et gluten, pourquoi au fou? Parce que c'est une nourriture qui est... Enfin, c'est une nourriture qui est à la base du gluten, en fait, qui est 90% gluten, et qui est à la base de la cuisine kyotoïte. Et moi, je voulais travailler parce que quand... j'entendais souvent les étrangers qui vont à Kyoto et qui disent « Ah oui, alors la cuisine kyotoïte, c'est super, c'est sophistiqué, tout est bon. » Alors que bon, ils ne savent pas qu'ils sont en train de manger du gluten en grande quantité. Et en fait, pourquoi gluten? C'est aussi parce que Kyoto est une ville, historiquement parlant, le centre, enfin la Mecque de bouddhisme. Et donc, bien sûr, il y a des temples. Et donc... on ne mange pas, bien sûr, de protéines animales. Et donc, traditionnellement, il y a la cuisine végétarienne, donc avec l'apport de protéines végétales qui étaient développées. Donc, bien sûr, il y a tofu, mais aussi il y avait ce ofu. Exact. Et c'était assez étonnant de voir, parce que je ne sais pas, vous avez certainement tous goûté ou vu, mais en fait, on n'a pas, si on ne le sait pas, c'est très caoutchouteux, mais c'est absolument pas indigeste. C'est très, très divers, donc on peut faire des formes allongées, des petites boules. Et c'est un petit artisan à Kyoto qui fabrique ça depuis 9 générations. Et le secret, c'est en fait qu'il vient puiser dans le sol. En fait, il est propriétaire donc, d'un petit terrain et il puise dans le sol l'eau. Donc depuis 9 générations, c'est la même source, c'est la même eau. Donc on peut même dire que c'est la même recette qui est reproduite sans arrêt. Parce que les ingrédients, c'est seulement la farine et de l'eau. Donc, si l'eau, la qualité de l'eau n'est pas bonne, ben forcément, au feu, n'est pas bon. N'est pas bon. Et ce qui est, voilà. Donc, c'est une sorte de pâte. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre l'odeur que vous voulez, la couleur que vous voulez, les parfums que vous voulez. Vous pouvez mettre quelque chose de croquant pour savourer les contrastes. C'est une sorte de pâte comme les baba papa qui nous permettent d'avoir des transformations possibles, imaginables. Donc, vous pouvez aussi manger. Enfin, ça c'est un aliment donc à la comme la base de la cuisine traditionnelle kyotoïte, mais tout aussi, en fait, on peut manger comme une sorte de galette avec du beurre breton, c'est très très bon aussi. Et pour ceux qui voient un peu de manga ou qui connaissent un peu l'univers animé, vous le verrez souvent dans les ramen, il y a toujours une petite, donc il y a les œufs, le jambon, les nouilles, et il y a toujours une petite bille avec une maintenant vous allez le voir, avec une espèce de spirale rose. C'est ce que vous voyez là, c'est les extrusions, ils les coupent comme ça. Et cette petite pièce avec cette spirale rose, c'est le fameux gluten qui est toujours présent. Et on peut les sécher, on peut les frire, pour les conserver. C'est une sorte de nourriture assez magique, il faut dire. Ça marche pas ? Non, en fait... Ah voilà. Ah voilà, ce sont des variantes possibles de ce qu'on peut manger. En fait, c'est de toujours au fou. Sec, frit, humide, sous vide. Enfin, sucré, salé. Pardon, déjà que c'est long. Alors bon, ça c'est un autre thème qu'on a travaillé énormément et ça s'appelle Mihon. Et c'est évidemment la bouffe plastique qui se trouve à l'entrée de tous les restaurants, mais quand je dis vraiment tous, c'est presque tous les restaurants du Japon, ont à l'entrée... À part les restaurants gastronomiques. À part les restaurants gastronomiques ou traditionnels 100%, la plupart, ils en ont.
Et ça, c'est des photos donc italiens, chinois, peu importe. C'est pas que dédié à la bouffe japonaise, c'est à toute la bouffe. Et il reproduit ça à l'identique de ce qui sort en fait de cuisine en plastique. Étrange comme rencontre, mais en fait, on était fascinés parce que certains de ces objets, quand on les regarde et on les regarde et on les compare, il y en a qui sont vraiment très très bien faits à un point qu'on est incapable de savoir si c'est de la vraie ou pas. Et donc on s'est dit bah, pourquoi pas aller faire un workshop de fabrication de ces plats, et chose qu'on peut tous faire, on peut s'inscrire à Osaka et on apprend à les faire et on comprend en fait que même si c'est absolument artificiel et plastique, ça relève plutôt de l'artisanat puisqu'ils sont absolument tous faits un par un à la main, décorés, peints par des artistes peintres, et en plus lorsque vous les achetez, vous avez la signature de l'artiste et le petit personnage en manga qui est présent. Donc encore une fois, si on revient à cette idée de l'ombre, c'est cette partie-là qui nous échappe toujours de peut-être mauvaise compréhension ou appréhension des choses. Quelque chose qui nous semble totalement aberrant ou étonnant, totalement artificiel, devient complètement artisanal. Et puis aussi, mine de rien, ce miroir existe depuis enfin, presque 100 ans, parce que ça existe depuis des années 20, 1920, et puis certains ont commencé par les, non pas pour faire les échantillons alimentaires, mais aussi pour les cires anatomiques. Donc au début, ces échantillons étaient faits en cire, et maintenant c'est de résine, c'est de plastique, mais voilà, jusqu'aux années 60, c'était fait en cire, et que ça existait à la fois dans les laboratoires de donc section des études de médecine, et aussi dans les restaurants. Pardon, juste, on était hyper fiers d'avoir fait les petits œufs de saumon, tu vois, là c'est Ryoko qui est en train de peindre, on était hyper fiers, ça ressemblait vraiment, et après on arrive, on les compare au vrai, et évidemment les petits points qu'on est en train de faire, pour qu'ils soient vraiment vrais, ils devaient être un peu plus dilués, un peu plus, et donc c'était pas bon du tout en fait, et c'est là où on comprend la difficulté à réussir à faire vraiment quelque chose de proche de la réalité. C'est-à-dire que ça nous fait comprendre combien on ne regarde pas bien les choses. Chaque objet, chaque aliment. À la fin, voilà ce que ça donne. Ça, c'est des exemples d'artistes. Voilà, d'artistes c'est artisans. Pas lui qui l'a fait. Hein. C'est pas moi. C'est pas mon poupe. Et ça, c'est un porte-clés. Évidemment, la photographie aide à créer encore une fois cette distance, cette couche qui rend les choses là, pour le coup, totalement... On ne peut plus savoir si c'est de la réalité ou pas. Et puis aussi, en fait, c'est... Donc là, je vous ai dit que ça existe depuis des années 1920, mais ça... C'est reparti surtout en fait dans les années 60 ou 1960 où les Japonais commencent à manger massivement la cuisine étrangère, toutes les sortes de cuisines étrangères, que ce soit la cuisine occidentale, la cuisine chinoise, coréenne, et finalement ça les aider pour les gens qui n'ont jamais mangé justement la cuisine étrangère à approcher, à faire les pas, parce que ça, on savait, en fait, on pouvait savoir à peu près à quoi ça ressemblait. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que si on dit au Japon maintenant que les Japonais sont très curieux et que les Japonais mangent, enfin, toutes les sortes de cuisine du monde, je pense que le miroir a, mine de rien, pas mal aidé à faire ouvrir l'esprit. Ce qu'on voit, on a moins peur, en fait. Et justement, sur ce qu'on ne voit pas, c'est un petit aperçu. Je ne pourrais pas vous raconter toutes les histoires, mais on en a fait une petite sélection de nourriture invisible qui vient de paraître au numéro étape. Et c'est toutes les choses en fait, qu'on ne sait pas. Tout simplement qu'on ne sait pas quand on mange quelque chose ou sur quelque chose qui peut se manger. Et c'était plutôt un travail de recherche, aussi sur l'histoire, la mythologie locale, mais aussi nationale. Superstition de plusieurs ingrédients, et si un jour j'arrive à changer, ah,
Mais bon, j'aurais voulu voir si le premier. Voilà. Alors cette délice, qui est kyotoïte, pas que, s'appelle comment ? Tamahimo. Tamahimo. Alors c'est l'œuf de poule avant d'être pondu, avant qu'il y ait une coquille, donc les ovaires, on va dire, non fécondés. Étonnant comme partie du poulet, évidemment, mais qui existe chez tous les poules, en fait, forcément, puisqu'ils font des œufs. Mais que chez nous, en fait, on ne mange pas. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que Ryoko dit dans son texte, quelqu'un choisit de ce qui est mangeable ou de ce qui ne l'est pas. Et ça nous arrive à nous comme un produit qu'on, ben, à la finale, on ne connaît pas. Et cet ovaire de poule se mange, c'est juste du jaune, mais super fin, et se mange pareil. En fait, c'est juste du jaune, pratiquement. Oui, ça a le goût de jaune d'œuf. Et c'est vraiment très, très bon. Un autre exemple... Non, ça va, on a le temps. On a le temps. Parce que des fois, on va un peu long. Oui. Un autre exemple qui est assez étonnant et un peu pour rester sur les œufs. Les œufs, tu peux raconter cette histoire d'Esther. D'Esther. Appelle-moi. Non. Parce que. J'allais rebondir. Donc, quelqu'un a décidé, voilà. Quelqu'un décide de ce qui est mangeable ou non, comestible ou non. Donc, voilà. Et là, ce tamahimo, je dis ça comme ça, comme si je connaissais le mot, mais je ne le connaissais pas, je n'avais jamais mangé. Et en fait, à Kyoto, on se balade, donc dans un supermarché. Et Felipe me dit alors, Yoko, qu'est-ce que c'est ? Je regarde. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Et parce que donc, je suis originaire de Tokyo, et c'est vrai que dans la région de Tokyo, on en mange rarement. Et il paraît que donc, dans l'Ouest, c'est une nourriture très courante. Et voilà, et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai appris le mot en japonais, tamahimo. Et puis récemment, donc, quand on était à Venise, on montrait cette photo à une Italienne qui, elle, disait « Ah oui, mais bien sûr, ma grand-mère nous faisait manger ça. » C'est vrai. Et, alors que je ne pense pas que c'est le cas de tous les Italiens. Donc là aussi encore, je ne sais pas si parmi vous, il y a des Italiens et puis qui ont... Non ? Ah voilà. Je pense que voilà, parmi les Japonais aussi... Donc, dans la méthode de travail, pour que vous ayez aussi un peu plus technique ce qu'on faisait, parce qu'on ne faisait pas que se balader dans les supermarchés et visiter des endroits incroyables. Moi, je faisais des photos, évidemment, et le soir, Ryoko faisait à manger ce qu'on avait photographié. Donc, on a tout goûté, et notamment ces œufs de poulet, on les avait fait en soupe le soir. C'était parfois dur. C'était des fois dur. De manger les... De manger ce qu'on faisait en photo. C'est comme si on consommait deux fois. C'est ça. Et un peu plus technique, mais aussi tout aussi étonnant, c'est donc la mayonnaise au Japon, ce qui est un produit complètement banal, 100% industriel, je dirais presque, dans la fabrication aujourd'hui au Japon. Et il y a deux choses que j'aimerais vous raconter d'un point de vue de design. La première, c'est que non seulement les Japonais sont le deuxième consommateur de mayonnaise au monde, ce qui est juste hallucinant, derrière les États-Unis. C'est un produit qui est vraiment... populaire dans la cuisine, dans la maison, mais aussi dans les restaurants. Ils font même du pain aux mayonnaise. Ben, c'est utilisé vraiment partout. Et ce qui m'a vraiment intéressé lorsqu'on a visité l'usine et qu'on a pu voir comment cette mayonnaise est faite, deux choses. Une que j'aurais voulu vous montrer, mais c'est totalement interdit de faire des photos, c'est la machine qu'ils ont réussi à développer, brevetée par les Japonais, pour casser les œufs et séparer donc le jaune du blanc. C'est un truc de malade, il faut vraiment le voir une fois dans sa vie si on s'intéresse à la production industrielle, parce que c'est un Japonais, donc le fondateur de Kewpie, qui est la marque la plus connue, qui a breveté une machine juste pour aller plus vite et casser et séparer les deux en... Parce que les machines américaines ne marchaient pas. Les coques ne tombent en fait dans les œufs, parce que voilà. de manière mais tout à fait hygiénique. Voilà. Et les Américains, les machines américaines, cette technique de mayonnaise, bien sûr, était importée par des Américains et appris des Américains. Mais les machines américaines étaient trop lentes pour les Japonais et pas assez performantes. Donc lui, il a inventé un truc qui est vraiment à voir. Je n'ai pas pu faire des photos. C'est vrai que c'était assez hallucinant. C'est une vitesse.
presque écœurante de voir cette quantité, mais celle qui est peut-être plus intéressante pour si on s'intéresse peut-être aux objets, aux produits, au packaging, c'est cette petite bouteille anodine en plastique que vous voyez en haut ici à droite. Si on regarde, grâce à Ryoko et la traduction, bien sûr, des ingrédients, on constate que même si c'est 100% industriel, il y a zéro conservateur et zéro matière stabilisant ou quoi que ce soit. C'est vraiment œuf, vinaigre et huile, sel, je crois, et point. Alors que si nous, on regarde dans nos mayonnaises, même si elles sont bio et que vous allez toujours retrouver conservateur, émulsion, citron, enfin, il y a toujours... Citron, ça va encore, mais il y a toujours des produits artificiels. Et on ne comprenait pas, en fait, pourquoi quelque chose qui est 100% issu d'une industrie, mais colossale, vous imaginez, deuxième producteur mondial de mayonnaise au monde, c'est 100% naturel. Et en fait, le secret se trouve dans la bouteille en plastique, qui est aussi brevetée. Ils ont réussi à faire une petite couche, même si elle est transparente, d'un plastique qui isole complètement la mayonnaise. C'est hermétiquement fermé. Et donc, non seulement, du coup, on peut conserver cette mayonnaise beaucoup mieux que ce que nous, on peut conserver les nôtres, mais, et ça, c'est, je laisse Ryoko peut-être vous en parler un peu plus, rajoute ce fameux umami, ce cinquième goût, puisque les acides aminés qui sont pris dans l'eau peuvent, en fait, petit à petit, se transformer à l'intérieur sans s'altérer. Donc, une vieille mayonnaise, c'est presque comme une vieille bouteille de vin, aura un goût plus profond, plus sophistiqué, après, non ? Après, aussi, il y a la question de recette, parce que souvent... Donc, par exemple, cette marque, comme toutes les autres marques, avait plusieurs gammes de mayonnaise. Et dès que vous regardez derrière la bouteille de mayonnaise qui est faite pour avoir moins de cholestérol, pour avoir moins de sel, donc c'est-à-dire moins de sel, moins d'huile, là, cet équilibre est cassé. Donc, vous aurez en fait trop d'œufs, trop d'huile, etc. Et donc, vous êtes obligé d'ajouter d'autres choses, conservateurs, etc. Donc, c'est, je pense, que la recette qui est quand même assez haut au niveau de calories, et je pense aussi du sel, aussi du vinaigre, mais c'est ça aussi qui permet d'avoir plus de conservation possible. Donc, Et c'était tout ce travail, en fait, de comment, en fait, à partir d'une étude sur... Évidemment, là, on était au Japon, mais on pourrait tout de suite voir sur d'autres... Enfin, des comparaisons, et voir aussi comment, en fait, d'autres cultures travaillent les mêmes ingrédients, les mêmes produits. Malheureusement, je ne pourrais pas vous décrire la prochaine, mais c'est juste un emballage d'un petit gâteau qui est dans un matelas de... Pour la cérémonie du thé. Pour la cérémonie du thé impressionnante, pardon. Et une dernière image qui est passée en subliminal. C'est vous l'aviez vu. J'ai pas vu. L'œil de poisson. Mais je te laisse parler de... Oui. Ah oui, c'est ça. Alors... Qui se mange. Là, on parle sur ça ou non? Oui, non, parle sur Trinal. J'essaie juste de changer vite fait. Ah d'accord. Et l'année dernière, au Japon, comme par hasard, en fait, ce qui est assez bien, c'est que nous faisons, jusqu'à maintenant, à part, je pense, le premier projet, et le Biraku Joyama, il y a souvent des autres personnes qui nous demandent de faire quelque chose, qui nous demandent de monter un projet, qui nous demandent de monter un événement. Et avec derrière une idée de leur part, parfois assez précis. Et finalement, en voulant répondre à leur attente, ça ne fait créer en fait pas mal de pas mal d'autres, oui. Pas mal de projets. Et ce dont je vais raconter, ah oui, c'est très bien, et faisait partie de ces projets-là. Donc, ça s'appelle donc Caravansarai et les photos étaient... Ah oui, Caravansarai Menu et Vivier. Donc là, Vivier, c'est la série de photos de Felipe, et Caravansarai Menu, c'était le côté alimentation de projet. C'était dans le cadre de la triennale d'Haïti
qui est un département où se situe Toyota, vous voyez, la marque automobile. Donc, c'est un département assez riche, c'est la triennale d'art la plus grande. Et ça a eu lieu l'année dernière. Le commissaire japonais voulait élargir un peu le champ de d'art contemporain, à la fois vers le spectacle vivant et aussi sur les choses plus sensorielles, sur les cinq sens. Et il m'a demandé de faire quelque chose avec le goût et bon. Alors, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire avec l'art contemporain dans le cadre, enfin dans le cadre et dans le grammaire de l'art contemporain. Et donc, j'ai demandé, oui, alors Felipe, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Et on a monté un projet, en fait, finalement un projet, mais qui est fait de trois projets, n'est-ce pas? Et la triennale, le thème de triennale était caravansérail. Et le commissaire a invité les artistes vraiment de non seulement occidentaux, mais aussi de quatre coins du monde. Et à la fois, mais cette région de Haïti est réputée pour être très, en fait, pour avoir une cuisine très locale, pour ne pas dire pas très aimée par les autres régions. Et on a pensé de prendre un produit, mais vraiment terroir, et faire voyager. Justement, c'était le thème caravansérail. Et donc, j'ai proposé de travailler sur un miso, pâte de soja. Bon, il y a chaque région a son pâte de soja, mais leur pâte de soja de cette région-là est réputée être très, très noire, avec une fermentation de 3 ans. Avec un goût et le saveur assez prononcé. Et donc, j'ai proposé de les faire voyager avec les cultures culinaires des artistes invités de la triennale. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé à la fois, j'ai fait la cuisine, et donc en suivant la liste de noms et de pays de la région des artistes invités, et j'ai posté sur Instagram, donc, qui est encore vivant, enfin, qui est encore actuel, donc vous pouvez regarder. Fermez sur Caravansérail Menu. Et puis, voilà. Felipe, voilà, ah oui, voilà. Et puis ensuite, Felipe. Alors moi, Ryoko, pendant qu'elle travaillait et que je mangeais tout ce qu'elle faisait, tout ce que vous voyez là, elle s'amusait à faire voyager cet ingrédient et le mélanger avec des recettes, on va dire, de l'Asie, de Colombie, de France, avec les escargots. Je ne sais pas si vous le voyez, les escargots à la bourguignonne, mais avec cet ingrédient-là, iranien. Ça, c'était à l'égyptienne. À l'égyptienne, excuse-moi, c'est l'égyptienne. Et pendant qu'elle faisait voyager ça, mon travail, c'était, ou ce qu'elle m'avait plutôt demandé, c'était de faire voyager aussi cet ingrédient, mais du point de vue visuel, et de vous faire, de vous le faire découvrir sur un autre angle. Je vous montre juste rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez vu au début, donc ça ressemble quand même à une grosse crotte de, voilà, noire, une pâte pas très photogénique. Et puis elle arrive avec un kilo de sel, elle me dit, bah, tiens, débrouille-toi, fais voyager cet ingrédient. Fais-nous le voir sous un autre angle, fais-nous aussi comprendre à quel point en fait c'est un produit qui, lorsque vous le goûtez, et vous goûtez surtout d'autres miso, est très profond, n'est-ce pas ? Ramène une profondeur puisqu'il est 100%, il est très très fermenté. Donc la première, là c'est la suite des images que du coup j'ai produites, c'est le voyage visuel de Hacho Miso. En même temps qu'elle le faisait voyager en cuisine, moi je le faisais voyager en images. Toutes ces photos ne sont pas du tout truquées, c'est vraiment des photos en studio, en laboratoire. Ces photos, qui sont très différentes toutes, on a produit une longue série, ont été utilisées donc, dans une exposition, non ? À la dans triennale. Une maison traditionnelle. Ils étaient mis sur les portes, ça c'est eux qui ont choisi. Et donc, traditionnellement au Japon, là où on mange, il y a souvent non, des dessins qui, lorsqu'on regarde, ça parle du paysage, ou ça parle de la saison, enfin, il y a beaucoup de sens. Donc c'était aussi cette idée que pendant... Ça parlait du miso. Ça parlait de miso.
Et les gens de cette région, qui évidemment connaissent le Hachō miso depuis tout petit, bah, ils étaient aussi très surpris de voir le miso sur ces formes-là. Ouais, et en même temps, même dans cette région, il n'y a que deux fabricants maintenant qui produisent dans une même ville. Et ça a eu, enfin, l'exposition a eu lieu dans cette ville. Et en même temps, nous avons travaillé sur, encore une fois, en fait, ça c'était un bon exemple, c'était le début de notre travail sur les odeurs. Parce que, tu peux remettre les... dans l'installation, il y a à la fois les portes coulissantes, mais aussi à l'intérieur, enfin au milieu, il y a des flacons, des gros flacons avec les épices aussi de provenance des artistes invités de Triennale, dans lequel il y a aussi des hachō miso, donc mise en poudre. Voilà. Et donc les gens, les visiteurs pouvaient à la fois venir regarder les photos de Felipe, mais aussi ouvrir les flacons et sentir et créer leur propre paysage. Et donc les voyages se faisaient en trois manières. Et puis après, pour finir, j'ai fait aussi manger. Donc c'était une sorte de palette de goût, toujours fait avec le hachō miso, mais que qu'on pouvait ensuite mélanger sur l'assiette comme on veut pour créer leur propre cuisine, pour faire leur propre voyage gustatif. Et donc ça, c'était en fait à la fois un projet, mais qui s'est ramifié de façon presque en fait assez schizophrénique. Hein. Bon, j'écrivais au téléphone pendant qu'elle travaillait, mais en même temps, c'était aussi une question de... C'était l'amorce aussi de voir comment on présente les choses et ce qu'elles nous permettent de raconter. C'est pas que manger, en fait, aussi. C'est pas non plus des installations. On ne parle jamais vraiment de repas. C'est plutôt des dégustations ou des moments vraiment d'éveil. Comment va du temps ? Ça va ? 5 minutes, alors voilà. Donc nous sommes remontés dans le temps et nous arrivons là où nous nous sommes rencontrés, donc à Rome, à la Villa Médicis, il y a 3-4 ans. On était dans deux promos différentes, mais qui se sont chevauchées, donc on était ensemble que pendant 3 mois. On ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas avant. Étonnamment, ces lieux de résidence sont aussi très bien pour peut-être rencontrer des gens formidables. Et malgré qu'on ne travaillait pas sur le même sujet, bah, on a trouvé que les morts nous rassemblaient. Je pense que très probablement, on s'est vraiment, vraiment rencontrés lors d'un dîner dédié à la truffe blanche dans un restaurant. On a décidé d'aller ensemble et puis on a parlé de la truffe et des morts. Et c'est tout d'un coup un livre est né. Et c'est un livre en fait qui existe aujourd'hui chez Édition Manuela. Et c'est un recueil en fait de photos et de textes qui racontent notre aventure romaine suite à une soirée de vernissage où on assistait en tant que pensionnaire et on a rencontré un Romain KW qui a souhaité rester anonyme, qui faisait des séances de spiritisme à Rome et nous a demandé si nous, en tant qu'artistes, puisqu'on y travaillait sur le sujet... Apprenons que nous sommes intéressés aussi à cette question de mort et les séances de spiritisme. Si on ne voulait pas imaginer quelque chose un peu différent pour... Et nous, du coup, suite à ce dîner de truffes, qui évidemment envahissait la pièce de l'odeur et puis de ce goût très raffiné, très italien, on a eu comme idée de peut-être proposer des dîners. Parce qu'en fait, je me souviens, parce que lors de vernissage, on lui avait dit, mais quand même, vous faites venir les gens de très très loin, et puis vous ne savez même pas douter, c'est pas possible. Quand même, vous faites manger quelque chose, il ne va pas partir un petit biscuit pour la route, quoi. Donc c'est suite à ça. Il nous a proposé de concocter quelque chose pour l'heure. Je pense aussi que c'est parce qu'on est très gourmands, toi et moi, et on s'est dit aussi que s'il y avait une raison pour laquelle on reviendrait quand on serait mort et qu'on ne connaît plus personne, que nos amis, nos parents, toutes nos familles est morte, ça serait peut-être pour manger et sinon, boire. Pourquoi, ouais. Donc on est un peu obsédés et on s'est dit peut-être qu'il y aura quelques revenants qui le seront aussi. Donc ce livre qui est aujourd'hui édité par Manuela, comme je le disais, raconte nos aventures et nos différentes réflexions visuelles, mais aussi en texte,
de ce qui peut être la nourriture pour... C'est une sorte de note de préparation. Mmh. Mmh. Avec quelques idées, quelques recettes. Chaque fois, nos invités étaient différents de l'âge, de la région. Oui. Ils étaient peut-être partis avec des situations différentes, de morts naturelles, d'autres des accidents. Et à chaque fois, on devait répondre à ce qu'on nous demandait, en fait, à faire à manger à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on souhaite inviter. Et puis aussi, ça nous a donné beaucoup d'occasions de nous parler entre nous sur les morts qu'on a connues chacun, enfin, de la famille, ou bien des amis, ou bien des... voilà. Donc c'était aussi une réflexion sur la mort, sur les perceptions aussi, parce que si les vivants et les morts peuvent se communiquer, enfin, de toute façon, pour nous, ça ne pouvait être que par les cinq sens qu'on imagine que les morts n'ont pas. Comment faire ? Ça, c'est vrai aussi, peut-être pour amorcer, et pourquoi on a peut-être aussi voulu continuer au Japon, c'est parce qu'on a aussi très vite, on est de deux, trois cultures différentes, et aussi on a su apprendre à voir comment en fait, un même sujet est perçu très différemment selon l'origine. Et bien sûr, le Japon a une histoire très profonde sur le rapport aux morts et à la nourriture, bien particulièrement, mais en Colombie aussi, très fortement catholique, très fortement superstitieux. On a tout un autre rapport latin et étant à Rome, évidemment, comme scénario de passage à l'au-delà, on avait, on va dire, tous les ingrédients pour faire un projet un peu cinglé et particulier, qu'on vous invite du coup à découvrir sous une forme un peu aussi cinglée et particulière. C'est un film, donc c'est pas du tout une description, c'est juste une expérience de ce qui est dans le livre, mais visuel, sur la forme d'un film. Et bah, à la fin, si vous avez des questions, bien sûr, on est là pour les répondre. Mais n'oubliez pas qu'il y a un petit pot où on a fait certaines choses donc, pour vous et qui résonneront avec nos expériences. あなたたちと一緒にご飯が食べられるの嬉しいに違いない。J'étais toute seule un jour dans ma maison et j'avais préparé un dîner pour mon invité. J'étais la petite marchande d'allumettes version dîner. 私たちはここにいた。私は一人で家にいて、私の招待客のためにディナーを準備していた。マッチ売りの少女がマッチをすって死者を浮かび上がらせるように野菜を切り、肉に塩を振っていたのだ。彼らはキッチンの音を聞くことができるだろうか。Entendront-ils les sons de la cuisine? 煮込まれている鍋の音は? Le son des plats qui mijotent. そうだとしたら、彼らがやってくる音は、キッチンの扉の向こう側から聞こえてくる、ゆっくりと調理される鍋の音と溶け合い、私たちはその音を聞いているのかもしれない。Si oui, il se peut que le bruit de leur arrivée se fonde parmi ceux des plats qui préparent doucement leur apparition, ce que l'on entendrait nous, de l'autre côté de la cuisine. Mais il faut pouvoir faire comprendre à la personne que c'est bien elle que nous voulons inviter. どうしたらいいだろうか?
植物が直接亡霊たちとコンタクトを取ることもあるかもしれない。私たちを介さずに。野菜はそのほとんど人を不安にさせるような新鮮さで、私たちが決してつながることのできない招待客とコミュニケーションを取っているのだろうか。Il se pourrait que les plantes entretiennent des contacts avec les fantômes, sans passer par nous. Qui sait ? Les légumes pourraient se mettre à communiquer avec nos invités qui demeurent pour nous à jamais inaccessibles dans leur fraîcheur presque inquiétante. Même si les fantômes sont incapables de déguster les plats que nous leur avons concoctés, ils ne sont pas capables de déguster les plats que nous leur avons concoctés. L'odeur se dispersera comme particules dans l'air et se mêlera à la nôtre, vivant et mort, indifféremment. Par exemple,トリュフの香りに頭まで浸かっているときに、ふと私たちがトリュフを食べているのではなく、トリュフが私たちを食べていると感じることはないだろうか。私たちは体の中をその味で満たし、外からはその香りに包まれ、私たち自身がトリュフになっているのではないだろうか。そのようにして亡霊とのコンタクトが可能だと言えないだろうか。私たちの料理、体、亡霊の体、食卓すべてに浸透していく匂いを通じて。Ne pourrait-on pas envisager le contact avec les fantômes de cette façon, à travers de l'odeur qui imprégnera nos plats, notre corps, le leur?Il se peut que... 対象のないノスタルジーは存在するだろうか。対象のない愛着は。Il se peut que l'histoire que n'importe qui pourrait raconter soit l'histoire dont nous avons tous besoin, de celle qui circule de main en main à la façon des sucreries. 誰もが語ることのできる物語は、私たちが皆必要としている物語でもありうるし、それはまさに歌詞のように手から手に渡されていくものなのかもしれない。手から手に。Dans l'au-delà, tout le monde a franchi le passage entre ce monde et l'autre.Les circonstances diffèrent selon les individus, et j'ignore s'ils se souviennent de l'instant de leur passage, comme nous avons perdu le souvenir du moment de notre naissance. Toutefois, au cas où ils auraient conservé la sensation douloureuse de l'eau, mieux vaut ne pas ranimer d'anciens souvenirs.ただ、蜜だけが、ゆっくりと流れていくその感情だけが、何かの一滴でも手渡すことができるのだろうか。Peut-être que le miel seul, le sentiment qui coule, pourrait faire passer une goutte de quelque chose. Nous avions jusqu'alors toujours pensé devoir offrir aux fantômes des choses fraîches. 私たちは今まで
亡霊にはいつも新鮮な食べ物を供しなければと思っていた。まるで新鮮な食物が彼らに再びいくらかの生を分け与えることができるかのように。しかし実際のところ亡霊は新鮮な材料、生の材料を食べることを恐れていることもあり得る。 Mais en fin de compte, il pourrait aussi avoir peur de consommer des ingrédients frais, crus. Ces produits pourraient bien évoquer trop fortement la vie. Et puis surtout, ces produits ne pourront pas les attendre à l'infini. Très vite, ils rejoindront à leur tour le domaine de la décomposition. Et bientôt, ils n'existeront plus. Les bonbons, quant à eux, appartiennent plutôt au monde des objets. Les bonbons attendent que les fantômes viennent les manger. Tant qu'il y aura des bonbons, ils pourront revenir à leur guise et peut-être même en laisser un peu pour reprendre leur dégustation un autre jour. Cela ne choque pas. C'est au yobi samashi sugiru kamoshirenai. Sore ni nani yori mo sorera no zairyou mo mata osokare hayakare jibun tachi no ban toshite bunkai shite iki ついには姿を消してしまうだろうから。反対に工業的に作られたキャンディーはむしろオブジェの世界の近くにいる。キャンディーは亡霊たちが自分を食べに来るのを待っているのだ。キャンディーがそこにある限り亡霊たちは好きなだけこのように戻ってきて、もしかしたら次に帰ってくる時のために少しキャンディーを残しておくことまでするかもしれない。この手の食べ物を入れられる唯一の入れ物だから。Gardant toujours la même forme, mais avec souplesse. 同じ形を保ちながら、でも柔らかく。最終的に、レシピは亡霊の手であり、料理やその味は亡霊そのものなのだ。Quant aux plats, au goût de ces plats, ils sont eux-mêmes fantômes. それはほとんど亡霊の霊と言ってもいい。Pour ainsi dire, des fantômes de fantômes. Bien sûr, tous les plats ne sont pas fantômes. Ce sont les plats qui furent réalisés maintes et maintes fois par un même corps, s'il fut un corps pour les porter, qui deviennent fantômes. もちろん、あらゆる料理が亡霊であるわけではない。ある一人の体により何度となく作られたもの、そのレシピを抱えていた体が存在したとき、料理は亡霊となる。レシピを作り出した人だけではなく、その料理を作ってきた複数の人たちの手が戻ってくる。そして、他の招待客に出す前にその料理を味見した舌、その料理が形をなす前に触れた舌もまた戻ってくるだろう。亡霊はすでに皿の上にあるのだ。亡霊のためのおやつを用意しなければ。À mon sens, en tout cas, on ne sollicite pas les gens de l'au-delà pour leur demander de l'aide dans ce monde-ci.Ils ont suffisamment donné de leur personne avant de passer de l'autre côté. Pourquoi aller les exploiter dans leur repos éternel? Ce que je voudrais plutôt, c'est pouvoir leur offrir quelque chose. Les inviter à partager un repas, si cela peut leur faire plaisir, sauf s'ils préfèrent rester là où ils sont. C'est leur droit le plus strict. 私に言わせれば、あの世の人たちにこの世での助けを求めるのは間違っている。彼らはあの世に行くまでにすでにこの世で十分に働いたのだから、どうしてわざわざ彼らが永遠の休息についているところを叩き起こす必要があるだろうか。私が求めていたのはそういうことではなく、むしろ私たちの方で彼らに何かを供すること、喜んでもらえるならば料理を差し出すこと。もちろん彼らがあの世に残っていたいのだったら無理にとは言わない。
私たちにこちら側にやってきたと知らせることなしにご飯を食べに来てもらっても構わないのだ。柔らかい光の中でゆっくりと体を伸ばし、そこに生えている果物や野菜の匂いを嗅ぎ、一口切って食べてもいいし、dans la lumière douce, de humer le parfum délicat des fruits et des légumes qui poussent là, de s'en couper un morceau, pourquoi pas de les goûter ou juste de les effleurer. または触るだけでも微風を感じ、または食卓についてその風そのものになり、私たちは隣の部屋に行って、une fois attablés, devenir eux-mêmes ce vent frais que nous percevions à l'instant, à hauteur des mains posées sur une autre table, en silence, dans la pièce d'à côté, la porte ouverte. Entre l'ici et l'au-delà, nous voudrions pouvoir circuler à la vitesse de l'éclair pour retrouver ce que nous aimons. この世とあの世との間を雷の速さで移動して、私たちの愛する人たちにまた巡り会いたい。De retour d'un dîner, nous nous apprêtions à traverser le pont Cavour pour regagner la Via Tomacelli quand nous surprîmes la montée du sel. Sur la rive opposée, à hauteur du pont suivant, de gros cristaux de sel blanc, rose et un peu gris s'élevaient comme des oiseaux migrateurs ou plutôt des lucioles. Ils étincelaient. Ils s'élevaient chacun à son rythme, mais finissaient tous par disparaître, comme s'ils rentraient l'un après l'autre dans leur nid. まるで自分たちの巣に戻っていったかのように。Nous arrivons à la, au début de notre histoire et à la fin de la conférence. Et bien sûr, ce projet qui est multiforme, je dirais aussi, puisqu'il n'existe pas que sous la forme de films, mais aussi sous la forme de livres, de photos, de textes, mais aussi de nourriture. On a voulu le retranscrire de la forme la plus complète et donc notamment ce que vous avez reçu au début, vous avez peut-être découvert peut-être le lien avec le pop-corn et cette odeur à la truffe, je ne sais pas si vous avez réussi à la sentir qui est assez particulière pour certains très écœurants, n'est-ce pas Arnaud? et c'était un petit peu l'expérience qu'on voulait vous faire partager et qu'on aimerait continuer avec vous, avec ce qu'on vous propose derrière comme petite chose à manger. Ryoko vous expliquera un peu plus en détail. Non, c'était un peu mon accent suisse là, non? Un peu plus en détail. Et vas-y. Non, il n'y a pas beaucoup à expliquer parce que... ah oui, alors vous avez les fromages et quelque chose en poudre. En fait, c'est un hachomiso donc, qui était dans le projet de la triennale, mais que j'ai séché au four à la basse température. Et comme c'est une pâte de miso en fermentation longue et qui perd justement son humidité, et donc qui est une pâte très très ferme, donc
très facile à mettre en poudre. Et donc, vous allez pouvoir ressentir quelque chose qui est à la fois... Donc, bon, maintenant, vous connaissez que c'est un miso, donc vous allez sentir l'odeur de soja, mais je pense parfois que ça ressemble à autre chose que vous allez découvrir, aux autres choses. Et pour ceux qui, bon, juste pour le dire, mais ceux qui vous souhaitent, il y a le bonbon, il y a un bonbon pour que vous pouvez soit le goûter ici. Tout est comestible, mais vous pouvez le manger ici ou partir avec. C'est notre cadeau qui était dans le film, qui tournait. C'est le plus grand bonbon qui existe comestible au monde. Et qui est impérissable. Malgré qu'il a une date de péremption, mais je suis sûr que ceux-là, vous pouvez les garder jusqu'à la fin de votre vie. Parce que pour la préparation du livre, donc il a acheté les bonbons qu'il m'a offert et que je garde, je l'ai toujours à Paris, il y a donc depuis 4 ans. Ça ne change pas. je suis sûre qu'après ma mort, ça restera intact. Tu seras enterré avec le bonbon. Ah oui, je pense que c'est assez bien. Qui t'accompagnera. Ouais. Mais en tout cas, c'est un cadeau qu'on voulait vous offrir pour que vous aussi, peut-être vous pouviez soit l'histoire de ce bonbon, c'est que vous pouvez le manger jusqu'à ce que vous en pouvez plus, parce qu'il s'en finit jamais, en fait. Donc, il vous accompagnera jusqu'à ce que vous en pourrez plus. Ah, c'était ça l'histoire ? Oui. En fait, d'ailleurs, les Américains, ils adorent ça pour ça, et les enfants notamment aussi, et les parents détestent d'offrir ça aux enfants parce que c'est infini, en fait, c'est infini. Donc voilà, c'est notre cadeau à l'infini que vous pouvez partir avec ou le goûter ici, bien sûr. Il y aura des petits sachets plastiques si vous voulez, si vous êtes un peu hygiénique comme moi, mais vous pouvez le ranger. Voilà, donc si vous avez des questions et des shots, bien sûr, alcoolisés, pour finir un peu la fête.